collaborateur. Bénis chacun de nos seigneurs, puisque nous ne pouvons rien sans toi. Inspire au nom de tout ce que nous entreprenons, afin que ta sainte volonté s'accomplisse en nous. Le Seigneur, tu es le bon berger qui a donné sa vie pour nous tous. Nous permettons que nous puissions comprendre ce sacrifice ultime de la vie et que nous puissions marcher avec toi comme tu le veux. Bénis le message du jour, Seigneur, bénis aussi le messager. Inspire-le pour qu'il puisse distribuer la bonne semence et qu'ainsi nous tous puissions recevoir la part de bénédiction que tu réserves à chacun de nous. Au verset de l'amour et de miséricorde, nous prions pour notre pays, pour voir tous les problèmes qui se multiplient, mais nous savons que toi, tu as un projet pour nous tous. Et puis ceux qui sont aussi dans des affaires, permettent qu'ils puissent s'ouvrir à l'influence de ton Saint-Esprit, pour le bénéfice de chacun de nous, Seigneur. Il ne faut pas étendre nos égards, bénir le culte du jour, qui permet de nous tous ceux qui sont nos affaires. Nous appliquer, mon Seigneur, faire entendre ta voix à travers nous-mêmes, à travers le message, à travers ta parole, pour que ton nom soit toujours glorifié, exalté et magnifié. Bénis, Seigneur, tous ceux qui prêchent cette parole ici et là, dans les campagnes, dans les villes, ô Seigneur, dans les autres pays, qui permettent tous de nous reconnaître que toi seul est vrai, toi seul est la vérité. Toi seul, mon Dieu est Dieu, au-dessus de tout ce qui existe, car toi seul as créé le ciel et la terre et tout ce qui existe, que nous puissions trouver toujours devant ta sainte et divine volonté. Pardonne nos fautes et nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous donc de toute nos forces, et ce qui nous donne ta force à toi, nous serons plus que vainqueurs. Bénis le bon dimanche, mon Seigneur, qui est la plus lumière du départ, ô Dieu, l'Église de demain. Bénis aussi, Seigneur, les autres segments de l'Église et que chacun s'applique à fierté pour que la grâce bénisse la sainte et divine compagnie pour accomplir sa mission. Bénis notre journée, Seigneur, remplis-la de toutes les merveilles que tu réserves pour chacun de nous. Vois ceux qui sont malades ici et là, et de nous tous ceux qui ont regardé à toi seul, parce que le seul chemin, la vérité et la vie. Bénis nos familles qui sont ici et ailleurs. Bénis Seigneur tous ceux qui nous gardent à toi, puisque Seigneur, nous n'avons personne d'autre, tu es notre seul maître, notre seul soutien, notre seul souverain. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta voix, pour que nous puissions corriger nos erreurs, pour que nous puissions nous corriger nous-mêmes par ta parole et que nous puissions faire ce qui est bon, ce qui est agréable à toi. À toi seul, au Père, aussi bien qu'à ton Fils Jésus et au Saint-Esprit. Soit toujours gloire, honneur et magnificence, comme cela a toujours été, bien avant tous les temps, comme cela se révèle envers chacun de nous de temps en temps, et comme cela sera dans tous les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle, auditeurs et internautes de l'Inspiration FM, que nous sommes depuis la première église baptiste de Port-au-Prince à l'heure de la célébration, la deuxième célébration de notre fête de moisson missionnaire. Et c'est là pour aller pour la mission de la congrégation du Bon Repos de Blanchard et de Saint-Louis dans Saint-Clair, Jean de Paul. Moisson arrivée, c'est le titre.
Certainement, nous ayons l'occasion de chanter des cantiques nouveaux dans la maison du Père. Mais si on ne permet pas, on va chanter un peu. Ok. C'est le moment pour nous, mes frères et mes soeurs en Christ, de saluer nos amis et nos chers visiteurs. Et ce matin, je commence par saluer nos visiteurs de l'église mémoriale, présbytérienne mémoriale de Rosen Long Island de New York, qui nous accompagnent et qui sont avec nous depuis lundi pour la plupart, mardi pour les autres, pour la prédication de l'évangile de Jésus-Christ et pour la célébration de la gloire de Dieu. Alors, nous aurons à entendre la voix de ces visiteurs. Voilà pourquoi nous allons les saluer en premier, avant que nous ayons salué les autres visiteurs de l'Assemblée et également célébrer les différents anniversaires. Ainsi, nous demandons à notre bien-aimée sœur Denise Dice de bien vouloir passer pour saluer l'Assemblée. Et je rappelle que notre frère Daniel Caléus, interprète les salutations l'une après l'autre. C'est notre sœur Denise Dice dans les salutations et elle sera suivie de notre collègue, la révérende Yvonne Colley Pendleton, qui a prêché pour nous et durant la semaine, mais aussi qui a prêché depuis les 6 heures de ce matin. Et notre collègue, le pasteur Patrick Damon, qui prêche cette célébration et qui prêche aussi le grand culte célébrant la gloire de Dieu et le culte d'action de grâce pour nos jeunes de 18 ans cette année, ce soir. Donc, nous les entendons l'une ou l'un après l'autre. Bonjour à tous. Je vous remercie
Comme Mathieu a dit, moi je suis de l'Israël et je vous salue au nom du Seigneur aussi. Je viens, j'accompagne les pasteurs Reverend Holly Pendleton et Patrick Payman pour l'église Memorial Presbyterian Church. C'est ma première visite en Haïti et je vous remercie de m'avoir si chaleureusement accueilli. J'adore votre pays et vraiment, je suis tellement contente d'être venue. Merci encore, je vais chanter pour vous dans quelques minutes. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici. Merci. Bonsoir. Greetings to all of you in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Nous vous saluons dans le nom de notre précieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. It certainly has been a wonderful time being here with you. Certainement, cela a été un moment merveilleux d'avoir été avec vous durant cette semaine. Our hearts have been inspired and encouraged. J'ai été inspiré et j'ai été encouragé aussi. As we see your excitement in praising and celebrating the Lord. Alors que j'étais en train de célébrer avec vous, de louer le Seigneur. When we leave this nation, alors, et après nous allons laisser ce pays, know that we will carry you in our thoughts and in our prayers. Je veux que vous sachiez que nous allons vous porter dans notre cœur et dans nos prières. Thank you again for your hospitality. Nous vous remercions encore une fois de votre hospitalité. And may God continue to bless you. Et que le Seigneur continue à vous bénir. Bonjour. Bonjour. I greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Je vous salue dans le nom de notre précieux Sauveur Seigneur Jésus Christ. And I echo the comments already made by Reverend Dr. Holly Pendleton. Et nous sommes, le docteur Pendleton nous a salué et nous a dit que nous sommes bons. I would add to that my great thanks to Pastor Matthew. Ce que je vais tout simplement ajouter à tout ceci, c'est mes remerciements spéciaux à votre pasteur de Matthew for his graciousness and hospitality during our time here this week. Donc nous le remercions pour sa bonté et son hospitalité qu'il a montré avec nous durant cette semaine. You truly have a wonderful pastor. Vous avez vraiment un pasteur merveilleux. We look forward to coming back in the near future. Nous avons l'intention de revenir dans un futur très proche. But until then, you will always be in our thoughts and in our prayers. Mais avant tout ceci, vous allez toujours rester dans nos cœurs et dans nos prières. May God bless you and keep you. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci, et si vous nous visitez pour la première fois, vous vous trouvez quelque part dans le sanctuaire, nous vous demandons maintenant de vous lever là où vous vous trouvez, et l'Église pourra vous saluer. Là où vous êtes, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont au dehors, certainement vous accompagner les parents qui amènent leurs enfants pour les présenter, pour les bébés, pour les présenter au Seigneur. Nous vous demandons de vous lever là où vous êtes. Merci et restez debout alors que nous demandons maintenant de vous rejoindre tous ceux qui célèbrent un anniversaire quelconque, de mariage, de baptême, de conversion, de délivrance, un anniversaire quelconque, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, si vous célébrez un anniversaire quelconque. Tous les fêtants du mois de mars, s'il vous plaît, levez-vous. Tous les fêtants du mois de mars. Merci. Et nous demandons maintenant à nos visiteurs étrangers de bien vouloir aussi se lever. Et nous vous disons bienvenue dans la maison du Seigneur, mais aussi